Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un haul. Oh, j'ai eu peur pour la télé. Aujourd'hui je vais vous faire un haul Just Fab. Just Fab, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, vous allez connaître. Parce que je vous en parlais. Vous avez dû sûrement voir à la télé des pubs pour des chaussures à 9,99€, enfin la première commande, etc. etc. Donc, Just Fab, en fait, c'est un site internet. Vous faites des commandes. La première commande que vous faites, vous avez des paires de chaussures ou un article à 9,99€. Eux, en fait, ce qu'ils font principalement, c'est des chaussures, mais ils font des vêtements, ils font des accessoires, des sacs et compagnie. Donc, la première commande que vous faites, c'est 9,99€ et des fois, ils ont des promotions, les deux paires pour 24€, enfin, on saute de suite. Faites attention quand vous achetez sur ce site parce que souvent, les gens se font avoir, ils font des commandes, ils ne savent pas, mais tous les mois, en fait, vous êtes prélevé 39€ qui est mis sur le crédit du site. Donc, si vous faites des commandes, faites très attention parce que c'est vraiment le piège. Et si vous ne savez pas, ben, voilà, parce qu'il faut lire les conditions. Et je sais que souvent, on ne lit pas les conditions parce que moi, je suis la première à ne pas lire les conditions. Voilà. Mais là, je le sais, donc voilà. Si vous voulez qu'on vous prélève tous les mois, vous laissez. Si vous voulez pas qu'on vous prélève ou il y a des mois que vous voulez ou d'autres pas, faut aller sur le site et aller sur votre compte VIP, je sais plus comment, et vous mettez pas le prélèvement ce mois-ci. Enfin, et je crois que c'est avant le 5 du mois ou avant le 1er, je ne sais plus. En tout cas, faut penser à le faire, sinon vous allez avoir des chaussures tous les mois ou et prélèvement tous les mois de 39€. Donc voilà, moi j'ai voulu faire un haul parce que j'ai fait une commande, parce que je trouvais que c'était très intéressant ce qu'ils faisaient. Donc les deux articles pour 24€, donc j'ai pris pas mal de choses pour pas beaucoup. Donc voilà, et je suis très contente parce que j'aime bien leur produit. Enfin, parce qu'avant, en fait, si vous voulez, j'étais abonnée à ce site, mais ils me prélevaient tous les mois et je voulais pas forcément m'acheter des chaussures tous les mois chez eux. Ou un article quoi. Donc du coup je me suis désabonnée, je les ai appelés, je me suis désabonnée, donc voilà. Donc là je me suis rabonnée, mais je vais faire attention de pas avoir des prélèvements tous les mois parce que je veux pas acheter des chaussures tous les mois non plus. Donc là je vais essayer mes habits. J'ai pris principalement des vestes parce que j'en ai pas beaucoup, enfin du moins ils ne m'ouvrent plus. Donc voilà, je vais essayer tout ça et puis je vais vous montrer. Donc c'est parti. Alors, premier article, c'est cette robe. Je l'adore, je trouve très très belle. Elle est classe, elle est simple. Trop bien, j'adore. La couleur, j'adore. Enfin, le côté plongeant sans trop montrer, j'adore. Enfin, ouais, non, j'aime bien. La robe patineuse, un peu classe. Le fait d'avoir les bras cachés, pour moi, c'est super parce que je déteste mes bras en ce moment. Le seul hic, c'est ça, ce ventre de grossesse qui est toujours présent. Je peux plus. Mais sinon, la robe, elle est bien. J'adore, j'aime bien, j'adore, j'aime bien. La couleur, j'adore. C'est des couleurs que je mets quasiment tout le temps. Soit des couleurs comme ça, soit gris foncé ou soit noir. Couleur claire, je ne mets pas trop parce que déjà que je suis comme as. Si en plus de ça, je mets des habits qui me rendent comme as, ça va pas m'aider. Donc, la couleur, très bien. C'est un peu sobre sans être sobre. Donc c'est parfait, j'adore. Elle est très très belle la robe. Elle passe aussi bien l'été que l'hiver, je pense. Parce que ça, vous pouvez mettre le soir, l'été, pour sortir. Ça passerait très bien avec des sandales ou même des talons. C'est parfait. Et l'hiver, avec un petit collant, petite bottine ou des chaussures fermées, très bien. Ça ferait canon. D'ailleurs, je pense que je vais essayer avec des chaussures, voir qu'est-ce que ça va donner. Là, comme ça. Je trouve que ça passe super. Bon, là, j'ai pas mis de collant, mais avec un petit collant, des bottes comme ça, des bottines, petite ceinture, ça passe crème. Les bottes, c'était les bottes que j'avais pris aussi chez eux. Just Fab, je ne sais pas si c'est encore disponible. Elles sont très très belles. Donc après, j'ai pris cette petite veste très très sympathique, longue. J'ai pris la taille M. Je ne sais pas si ça va m'aller.
Mais ça m'ira parce que c'est sûr, parce que je vais maigrir. Je compte maigrir. Hein. Donc bon. Waouh. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Oh, j'adore. C'est trop classe. Ça qu'il me fallait. J'en avais, mais trop légère. Et là, elle est lourde. Franchement, la qualité, j'adore. J'adore vraiment. Parce que vu le prix que j'ai payé, je crois que j'ai payé 15€. Même pas. Avec robe, pantalon, peu importe, ça passe super bien. J'adore. Elle est très, vraiment très très belle. Maintenant, on va voir si ça rentre. Ça, c'est une autre étape. Test. Ça va. C'est limite, mais ça va. Alors, fermé comme ça, ça donne quoi? Tellement classe. Oui. J'aime bien. Petite poche, sympa comme tout. Ouais. Après, j'ai pris cette veste aussi. Voilà, c'est dans le même style, sauf qu'en fait, c'est plus court. Elle est crème, enfin non, elle est rose. Rose bébé, rose, quoi. Voilà. Je mets comme ça parce que j'adore. Je trouve que ça très classe. Une femme qui met la veste comme ça pour sortir le soir. C'est super sympa. Ouais. Sympathique, j'adore. Et la qualité, pareil. Elle est un peu moins épaisse que l'autre. Mais j'adore. C'est quand même... Il faut repasser, bien sûr, parce que... J'ai pris du M, ça me va. Je pense qu'il faut maigrir quand même. Et le fait que ça soit moins long, c'est bien aussi. J'adore. Et pareil, c'est dans les mêmes prix à peu près que l'autre. Donc, c'est bien. C'est pas cher aussi. Alors, après, j'ai pris cette robe. Très, très belle. J'adore. Très simple. Passe-partout. Voilà. Vous pouvez autant mettre pour une soirée que pour une sortie, tout simplement. Pas pour aller faire vos courses. Hein, ça serait dommage. Mais elle est belle. Elle est simple. J'ai pris en taille L. D'ailleurs, j'ai même pas descendu le zip ici parce que c'était pas la peine. Je me suis dit que ça allait pas m'aller, mais ça va. Bon, faut faire un peu de repassage. Mais franchement, elle est belle. C'est le même style que l'autre, sauf que là, il n'y a plus et à rien. C'est simple. Voilà, le dos, il est comme ça. Vous avez un bouton un peu ouvert. Si vous voulez attacher, c'est sympa aussi. Les cheveux. Avec cette petite ceinture. Attache ici, c'est très bien. Donc, soit vous pouvez enlever, mettre une ceinture ou sinon garder ça. Et je trouve que ça va aussi bien qu'une autre ceinture. Ces plis comme ça ici, là, je trouve ça très très joli. Voilà. Hop. Après, j'ai pris cette veste aussi. C'est le même style que le premier, long. À la base, j'avais pris cette veste avec la jupe qui va avec. Trop belle, mais finalement ils m'ont envoyé un mail comme quoi il n'y en avait pas, donc voilà, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, elle est belle, j'aime bien, tient chaud, contrairement à ce qu'on peut penser. Franchement, ça tient chaud, je trouve, parce qu'elle est vraiment épaisse en fait. Donc bien, très bien, je suis contente aussi et ça me va. Alors ça, j'adore. Ça, c'est mon coup de cœur. Je kiffe. Je vais vous expliquer pourquoi j'adore. Moi, d'habitude, je ne prends jamais des combinaisons parce que je trouve que ça ne me va pas du tout. Donc, je n'en prends jamais. Et puis, à chaque fois que je prends des combinaisons comme ça, ça ne me va pas. Surtout en jean parce que ce n'est pas élastique. Enfin, voilà. Au conseil élastique, on voit toutes les imperfections qu'on n'aime pas montrer, nous, les femmes. Donc, voilà. Mais là, on est sur du lourd, là. Là, j'aime bien. Là, elle est belle, épaisse, c'est du vrai jean. Je suis trop contente, vraiment, je ne pensais pas. Vous voyez la matière et tout, elle est très belle. Vous voyez, ouais, le jean, il est épais. C'est pas des jeans super légers, la basse qualité, quoi. J'ai pris du XL. Bon, c'est un peu limite, comme c'est la première fois que j'ai la mis. Ce que je rajouterais en plus, c'est les poches derrière. Mais à part ça... Elle est très très belle. Et ça,
même avec des baskets pour sortir comme ça tous les jours. Ça avec des talons. J'ai pris des talons parce que j'avais déjà fait mes calculs dans ma tête. Oui. Oui, oui, je valide. J'adore. Je trouve ça très, très sympa. Petit accessoire, petit sac noir. Parfait. Sûr que ça me fait, j'ai l'impression d'être énorme. C'est comme ça, on est comme ça, on accepte comme ça. Oui, on est sur quelque chose de positif là. Après, j'ai pris une paire de bottes. J'ai pris une paire de bottes. J'ai voulu tenter le poli. Voilà. J'ai pris les bottes comme ça. Elles sont canon. Voilà. Elles sont très belles. Hein. Je suis fan. Je pense pas que je les mettrai avec cette combinaison. Mais enfin, pourquoi pas. À voir. En plus, même pour marcher, sans problème, elles sont. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je les trouve vraiment canon. Et voilà les amis, le haul il est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. N'oublie pas d'enclencher la petite cloche pour avoir notification quand je vais publier des vidéos. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye.